Ah, les colères des enfants. Voilà une situation complexe et qui vous déstabilise souvent parce que vous ne savez pas tout le temps comment réagir. Pourtant, la colère est une émotion naturelle et c'est normal de la ressentir. Ça arrive à tout le monde, même à vous, il me semble, de temps en temps. Chez les enfants, la colère peut être tellement intense que cela peut les submerger jusqu'à ne même plus savoir pourquoi ils étaient en colère au départ. Un peu comme Robert. Sérieux? Vous ne connaissez pas Robert? Robert et sa grosse colère. Grosse colère, un album de Mireille Dallancé aux éditions de l'École des loisirs. Grosse colère, c'est l'histoire de Robert qui a passé une très mauvaise journée et qui va se laisser submerger par sa colère jusqu'à ce qu'elle se matérialise en un gros monstre rouge. Mais ce monstre va le dépasser et finalement va être encore plus terrible que lui. Il va devoir alors maîtriser sa colère jusqu'à pouvoir la faire disparaître et pouvoir en sortir. La mise à distance de la colère dans cet album est très efficace. Elle montre aux enfants à quel point ils peuvent se sentir dépassés. Mais ils peuvent aussi le maîtriser et sortir de la colère. Ça me fait penser aussi à Max. Max et les Maxi-monstres. Max et les Maxi-monstres. Un album de Maurice Sendak à l'édition de l'École des loisirs. Un album assez ancien mais qui fonctionne toujours aussi bien et qui nous raconte l'histoire de Max, ce petit enfant terrible qui fait plein de bêtises et se retrouve puni lui aussi dans sa chambre, comme Robert. Mais lui, ses émotions vont se transformer en un pays imaginaire, un pays qui va grandir comme les illustrations de ce livre et vers lequel il va voguer, le pays des Maxi-monstres, pays dont il va être le roi et va pouvoir exprimer toutes ses émotions et faire toutes sortes de bêtises jusqu'à pouvoir s'en décharger et s'en libérer et vouloir repartir tranquillement dans le doux cocon familial. Les enfants, ces terribles mais adorés petits monstres. Maintenant, changeons de perspective et égouttons la vie d'un doudou. Dans Mon monstre. Mon monstre de Marie Cellier et Jean-Luc Buquet, aux éditions Courtes et Longues. Cet album prend le contre-pied et fait parler un doudou. Un doudou qui nous explique son secret. Il a un monstre. Un monstre assez terrible qui fait plein de bêtises et qui n'écoute rien, qui lui fait faire aussi à lui, Doudou, toutes sortes de bêtises. Tout ça relaté dans un graphisme très simple et presque enfantin. Et pour nous dire que finalement, même si son monstre à lui n'écoute rien, il est à lui et il l'aime. C'est très rassurant pour les enfants de savoir que malgré leur terrible colère, vous les aimerez toujours. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que vos chers enfants sont particulièrement terribles avec vous, alors que ça se passe plutôt bien avec les autres adultes? Eh bien, c'est la marque de l'extrême confiance qu'ils ont en vous et de l'attachement qu'ils vous portent. Ils peuvent se permettre avec vous d'être si terribles parce que vous les aimerez toujours. Plutôt rassurant, non? Lire un livre avec un enfant, c'est donner du sens à ses émotions et lui permettre de les éprouver sans risque. Alors profitez-en. Vous avez une autre question ?